Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Pariteurf. On va analyser ensemble la réunion de dimanche sur l'hipporome d'Auteuil. Une réunion intéressante avec deux groupes au programme. Le prix Troyton, deuxième étape menant au Grand Steeplechase de Paris, et le prix d'Indy qui réunit les meilleurs 4 ans sur les haies. Il y aura bien évidemment le traditionnel tiercé carte et plus pour m'accompagner, pour vous aider à toucher cette belle réunion. Deux des meilleurs pronostiqueurs d'obstacles de France. Et oui, je me pèse mes mots. Florent Béas en haut à gauche et Eric Brosselin en haut à droite. Bonjour messieurs. Salut François, bonjour à tous. Salut François, salut Florent, bonjour à tous. Allez, on va attaquer tout de suite cette belle réunion avec le prix Auricula. Une épreuve toujours intéressante pour des femelles de 3 ans totalement inédites en obstacle. Florent, tes deux préférés. Ouais, elles sont que 6, mais c'est un lot très intéressant avec des pouliches bien nées. Et je fais notamment confiance au numéro 5, Chica Duberlet, hein, une fille de Nikita Duberlet, qui réalisa de grandes performances à Auteuil. Et cette Nikita Duberlet a déjà produit Mathilda Duberlet, Angela Duberlet. Elle est présentée par David Cotin. On peut lui faire confiance d'emblée, semble-t-il. Et le numéro 4, Kirakim. Et c'est une très bonne souche maternelle, celle du champion 4-co. Donc 5 et 4. Eric. Bah, pas de souci pour la première avec le 5 Chica Duberlet. Florent a tout dit. J'aurais exactement les mêmes arguments. En deuxième position, j'ai tenté la représentante de Marcel Roland, le numéro 7 Sobriquette, qui est par Goliath Duberlet, qui à mon avis est amené à devenir un top étalon peut-être même dès cette année. Je sais que Marcel Roland l'aime bien. Il m'a dit ce matin, elle travaille bien, donc on attend de bons débuts. La deuxième épreuve, c'est le prix Rush. C'est le pendant pour les mâles et ongles de 3 ans. Il est aussi avec des belles origines au départ. Eric. Ouais, j'ai tenté le numéro 7, Master d'Otan. Voilà, on va tabler sur David Cotin qui puisse remporter les deux épreuves pour débutants-débutantes. C'est le frère de Master Dino qui avait terminé deuxième de cette épreuve en 2017 et de Master Doc qui était troisième l'an dernier. Donc, disons que ce serait bien que le petit frère réussisse à remporter ce prix Rush. Et je lui oppose le numéro 8, Niche As. Donc là aussi, je fais un couplet Cotin-Roland. Marcel Roland m'a également dit qu'il travaillait très très bien. Il était ce matin à Cheltenham, mais il y a quelques jours, il m'avait dit qu'il avait des espoirs dans cette génération. C'est quand même une épreuve que Jim avait remportée l'an dernier. Donc, je lui avais dit, est-ce qu'il y a un futur Jim dans l'écurie? Il m'avait dit, c'est pas impossible du tout. Donc, c'est peut-être lui. Bonne info. Florent, tes deux préférés. Je fais également confiance au pensionnaire de David Cotin, Master d'Otan, hein, très bien né. Et je me méfie également de l'As, mais ils sont nombreux. Hein. Un prix rush toujours convoité. Les entraîneurs présentent généralement les concurrents estimés qui sont prêts à bien débuter dès le début de saison. L'As, Hermès Invicta, la mère a déjà produit plusieurs gagnants, et notamment Ashtana, qui est placé de liste de l'an passé. Donc les numéros 7 et As. Mais ce n'est pas les deux seuls. Eric a parlé également du pensionnaire de Marcel Roland, mais il y en a d'autres. Hein. Pensionnaire de François Nicole, notamment. Arnaud Chaillet, ils seront nombreux. En tout cas, c'est des courses à suivre avec intérêt pour l'avenir. Et en espérant qu'ils ne franchissent pas tous la manche derrière. Voilà. On passe à la troisième épreuve, le prix Didier Mesca, un steeplechase pour des 4 ans avec Master Duck, on en a parlé tout à l'heure, qui semble détenir une bonne chance, Florent. Oui, bah c'est le frère de Master d'Otan qui court le prix Rush. Master Dog très estimé sur les A 3 ans. On s'attendait peut-être un peu mieux de sa part dans le prix Cambacérette, mais il faut certainement pas le condamner sur cette valeur. Il est dressé sur le steep depuis un petit moment. On suivra avec un grand intérêt ses débuts sur les gros obstacles. Et je lui oppose notamment le numéro 8, Croisade, qui est peu expérimenté, mais qui a montré assez rapidement des moyens en R. C'était imposé dès sa deuxième sortie sur le haie d'Auteuil. Elle a depuis changé de casaque. Elle porte la casaque de la famille de Papo. Elle est certainement vouée à une belle saison. On la suivra dès sa rentrée, ses débuts sur le steep. Eric. Ben c'est le même couplet, avec le numéro 3 Master Doc, le 8 Croisade. Je n'ai rien ajouté à ce qu'a dit Florent, il a été complet, pas de souci. On passe à une épreuve où ça serait peut-être moins en phase, tous les deux. Le prix prédicateur, hein, c'est le tercé carté quinté plus. Eric, t'es le préféré. Ouais, ben j'ai tenté un coup de poker avec le numéro 4 Aléric, je vais tabler sur la forme paloise. J'ai surtout bien aimé sa dernière victoire. C'était un lot qui, à mon sens, était bien composé. Maintenant, évidemment, des débuts à Auteuil, il faut voir.
Fabrice Fouché a quand même une belle réussite dans les grands handicaps à Auteuil depuis plusieurs années, et il présente jamais des pensionnaires par hasard. Donc ce numéro 4 à l'Eric, je lui opposerai le 13 Helsinki No Limit, sujet régulier que j'avais besoin de revoir à Auteuil la dernière fois, mais qui m'a pleinement rassuré, donc j'en attends une confirmation. Ça donne 4 et 13. Florent. Je rejoins Eric pour le 4 à l'Eric. Il a fait impression lors du meeting de Pau. Certes, il a peu de métier, mais la dernière fois, il a avancé un lot de qualité hein, à Pau. Il dominait notamment Châtaignier. Il n'est pas le premier venu. On pense qu'il y a Gabi Linders qui a des références. Il a des avantages d'être peu expérimenté, de découvrir Auteuil. Mais s'il s'y adapte, attention à lui. Noté qu'il sera monté pour l'occasion à Théo Chevillard, qu'il a déjà monté lors de ses débuts. Lors de ses deux victoires, c'était Thomas Borin, mais il est actuellement sur la touche. Mais Théo Chevillard devrait en tirer la quintessence. Et je me méfie du numéro 3, Loufast. Un des deux pensionnaires de Robert Collet au départ de ce quintet, un concurrent qui a fait ses preuves parmi les meilleurs de sa génération à 3 et 4 ans. Il était légèrement baissé au poids, on lui remet les œillères australiennes, sa rentrée était très correcte. Attention à lui, d'autant que je trouve que ce quintet n'est pas d'un niveau exceptionnel. On passe à la cinquième épreuve, le premier au groupe de cette journée avec le prix Troy-Tom. Deuxième étape hein, des Grands Steeplechase Masters qui mène tout droit au Grand Steeplechase de Paris avec la rentrée de chevaux de grande qualité. Florent, t'es de préféré. J'attends avec impatience la rentrée du numéro 3, Runtos Galamos, un 5 ans de grande classe. À la régulière, il a jamais été battu sur le steep. C'est un concurrent qui semble pétri de qualité. Il a toujours été estimé, hein, tenu en très haute estime par David Cotin. Il avait d'ailleurs débuté victorieusement en steep dans le prix Congrès. Ce n'est pas rien. Et je lui oppose notamment, ils sont plusieurs, on pouvait garder Grandiose, notamment j'ai gardé le numéro 2, Goldtweet, hein, qui a terminé sa saison 2023 par une belle victoire dans le prix Georges Courtois, qui était déjà associé à Gabin Meunier pour l'occasion. Bon, il effectue sa rentrée, les différents compétiteurs là, les plus en vue effectuent leur rentrée, et ce n'est pas un objectif, on sait que la plupart ont le Grand Steeplechase de Paris mi-mai comme objectif, donc ils ne vont peut-être pas tout donner ce dimanche, mais ce Goldtweet peut également bien faire dès sa rentrée avant. Eric. Même couplé avec le numéro 3, Runtos Ganamos, qui était oui, le cheval de classe chez les 5 ans, quand il restait debout. Mais enfin bon, c'est vrai que, comme l'a dit Florent, à la régulière, il n'a jamais été battu. Et on a vu dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre que Blaise Manouche avait devancé ses aînés. Donc, disons que courir pour les 5 ans, c'est pas forcément un désavantage comme ça en début de saison. Et puis, bah, évidemment, le numéro 2, Goldtweet, adepte du terrain lourd, Gabin Meunier l'a monté les deux dernières fois. La dernière fois, quand il a gagné, il avait dit qu'il avait compris comment il fallait le monter. Donc, Gabi Lenders, évidemment, vise le grand steeple. Mais s'il peut remporter ce prix Troy-Town, il va pas se gêner. La sixième épreuve, c'est le prix du défilé. Un handicap, la troisième épreuve, Eric. Ouais, je suis allé sur le numéro 4, Burroughs Diane, qui est sur la pente ascendante, qui a pas mal fini la dernière fois, qui est très confirmé à ce niveau. Et à mon avis, les 300 mètres supplémentaires ne devraient pas être un désavantage, bien au contraire. Et je lui opposerai la ligne, le numéro 10, Assad Lawal, qui a fait une belle rentrée l'autre jour, qui a prouvé sa compétitivité, qui s'en sort bien avec la décharge. Donc j'irai sur ces deux-là. Florent. Je suis d'accord avec Eric, j'ai les deux mêmes choix. Pourtant, c'est une course relativement ouverte. Mais on a fait confiance à la ligne. Je ne sais pas si elle va forcément se répéter, mais Burroughs Diane, on a l'impression qu'elle est proche de sa course. Assad Lawal, il n'est pas de tous les jours. La dernière fois, il a bien couru. S'il répète cette valeur, mais c'est une course qui est, je vous le répète, assez ouverte et d'un niveau assez faible. Le prix Nadi, c'est la septième épreuve avec le pool leader des courses d'obstacles en France, le numéro 8, Léon Duberlesque. Florent, il peut s'imposer. En l'absence de Jingmei, hein, qui est devenu étalon, on le sait, suite à sa belle victoire dans le prix Cambacérès, ce Léon Duberlet a toujours été estimé également par son entourage. Bon, il devrait rapidement ouvrir son palmarès. Lui aussi, il va avoir comme principal objectif le groupe 1 après Alain Dubreuil, mais il peut certainement jouer un très bon rôle dès sa rentrée, d'autant que les pensionnaires d'Arnaud Chaillet sont en forme ces derniers temps à Auteuil. Et je penserai également au numéro 1, Camcilia. Hein, elle va affronter les mâles ce dimanche, mais elle a fait forte impression en remportant le prix Bournoisienne durant l'automne pour seulement sa deuxième tentative. Elle a fait un truc ce jour-là. Elle s'est vraiment imposée avec facilité. Elle a moins d'expérience que ses rivaux. Elle doit affronter les mâles, mais elle semble sortir de l'ordinaire. Donc attention à elle. Mais je vous le répète, c'est un lot très intéressant. On vient d'horizons différents. Il y a des chevaux qui viennent de Pau, de Cagnes. Mais le principal objectif des meilleurs, ce n'est pas dimanche, c'est dans deux mois. Donc il faut toujours se méfier.
Eric. J'ai tenté l'inverse, ouais. J'ai tenté la pouliche devant, Cam Sinéa, l'as. Qui s'était vraiment mise à plat ventre dans le prix Bournoisienne. C'était sa deuxième sortie, donc signe d'une véritable estime. Et elle avait couvert ses 1000 derniers mètres en allant plus vite que Léon Duberlet dans le Corvas Ceres. Donc du coup, je me dis pourquoi pas. Et puis, évidemment, on lui opposera, comme tu disais, le poulie d'or, Léon Duberlet. Est-ce qu'il va passer enfin le poteau en tête? C'est vrai qu'il le mériterait, donc on va voir. Mais c'est sûr que l'épreuve est ouverte et très très intéressante. C'est la huitième, le prix Caldarium, un stiple pour des femelles de 4 et 5 ans. Eric. Je suis allé sur le numéro 6, Feuille Verte, qui a jamais su sur les balais, qui méritait d'ouvrir son palmarès la dernière fois. Elle battait Caruquera, qui dans la foulée a couru sur le stiple et s'est imposé d'emblée. Donc je me dis que la ligne est pas mauvaise du tout. Donc après il faut voir début sur le stiple, début à Auteuil, donc des points d'interrogation, mais bon elles sont quasiment tous dans ce cas de figure. Je opposerai là Skasselan, la représentante de Gabi Lenders, qui est très très régulière, et Gabi ce matin m'a dit clairement elle est hyper douée au travail sur le stiple. Donc je dirais presque, j'ai senti très très chaud, ils ont presque pas battu, donc affaire à suivre. Sauf par Feuille Verte. On va espérer. Blanc, c'est des préférés. J'aime bien la pensionnaire d'Arnaud Chahi-Chahi, Caradam. Elle effectuait sa rentrée après 10 mois d'absence la dernière fois dans le prix Agitato. Elle a été patiemment montée, elle a pris une bonne 4e place. Elle devrait logiquement afficher des progrès sur cette reprise de contact et elle a certainement les moyens de lutter pour la victoire. Et je lui oppose le 6 Feuille Verte, hein, dont a parlé Eric. Elle est en condition avancée après un bon meeting de poids. Elle a repris un peu de fraîcheur suite à sa dernière victoire et elle est certainement dressée sur le site depuis un petit moment. Donc le numéro 3, Caradam, et 6 Feuille Verte. 9e et dernière, le prix Lilium, c'est le handicap, c'est la seconde épreuve cette fois-ci, Florent. Alors un handicap une nouvelle fois assez ouvert, hein, le peloton est fourni, je fais confiance au numéro 7, Baron Zanzi, hein, à qui a réclamé cet hiver un pot. Il fait plaisir à son nouvel entourage, c'est un concurrent qui est un peu particulier. Quand on le suit durant le parcours, on n'est pas forcément très confiant. Il est souvent monté au bras de bonheur et le dernier coup, encore une fois, il est encore loin dans le tournant final. Il a vraiment bien fini à la 3e place. Il va dans tous les terrains. Le rallongement de la distance par rapport à sa dernière sortie va servir ses intérêts. Et je pense qu'il peut jouer un très bon rôle dans son handicap. Et j'aime bien également l'As Saint-Paul Star. Il a créé la surprise la dernière fois en se classant 4e du Quintet Prix Beugnot. Il effectue sa rentrée ce jour-là. S'il est monté là-dessus, il a certainement les moyens lui aussi de viser les toutes premières places. Eric. J'ai fait l'inverse. Je suis parti sur l'As Saint-Paul Star. Qui m'a vraiment bien plu l'autre jour dans le Quintet, qui adore le terrain lourd, donc qui prouvait qu'il restait parfaitement compétitif à ce niveau-là. Et puis je lui oppose le 7 Baron Zanzi, qui aligne des bonnes paires cette année, lui aussi a des pistes profondes. Tous les deux devraient être servis dimanche, donc pourquoi pas. Après savoir lequel sera devant l'autre, c'est sûr que c'est une affaire d'impression, mais bon, on va faire confiance à l'aptitude. Merci messieurs, vous avez été complet. Maintenant, on va écouter votre cheval de la Réunion. Eric. Je vais prendre le 604, Burroughs Diane. Je pense que c'est vraiment le jour J. C'est une poule, une jument qui est encore médaine. Donc, on va espérer l'avoir s'imposer cette fois-ci. Florent. Ça sera le 803 Caradam. Semble posséder une belle marge de progression. Sa rentrée était encourageante. Il devrait rapidement ouvrir son palmarès et pourquoi pas dès dimanche. Merci beaucoup messieurs, merci à Laurent, à la régie, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf, l'émission de samedi à Saint-Cloud est déjà en ligne. Bon jeu à tous et à bientôt.